Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui ça va être un peu laborieux, d'abord parce que j'ai la crève, oui j'ai la crève en plein été, c'est la joie. Et en plus il y a encore le jardinier qui, je pense à chaque fois que je fais une vidéo, se dit tiens et si je passais la tondeuse. Hein, voilà. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un lisseur, un tout nouveau lisseur, donc qui est le T3. Ou, à mon avis c'est plutôt T3 parce qu'en fait c'est américain, donc c'est le Single Pass Luxe, donc qui est leur toute dernière génération, donc c'est le lisseur pro révolutionnaire américain de la folie de la mort. Et l'agence Spirale qui s'occupe du lancement en France a eu la gentillesse de me l'envoyer. Je pense que, comment dire, ils se sont dit que si moi j'y arrivais, tout le monde pouvait y arriver, en fait, que j'étais la preuve ultime que le lisseur fonctionnait. Alors non seulement il fonctionne, mais surtout c'est un lisseur qui prend soin du cheveu. Donc c'est un lisseur pour qui la priorité c'est ne pas abîmer le cheveu. Ça tombe très bien parce que c'est ma priorité aussi, c'est-à-dire que en règle générale, je ne touche pas à mes cheveux. D'abord, un, parce que j'ai la flemme, donc ça veut dire que je n'ai pas l'habitude du tout d'utiliser un lisseur, donc si j'y arrive, ça veut dire que j'ai un babouin avec un QI d'huître sera capable de l'utiliser. Et par ailleurs, donc je le fais pas non plus parce que j'ai, comme tous les cheveux secs en fait, tous les cheveux bouclés, les filles qui ont les cheveux bouclés me comprendront, on a les cheveux naturellement plus secs que les autres, donc forcément plus fragiles, plus cassants, etc. etc. Donc j'évite d'utiliser un lisseur. Alors, comment celui-ci fonctionne? Donc vous avez ici le bouton marche arrêt et ici vous avez des voyants qui clignote. Alors je vais rapprocher un petit peu en espérant que la mise au point se fasse. Voilà, vous allez voir, je vais allumer et vous voyez que les boutons clignotent de manière alternative pour dire que ça chauffe. Alors ça chauffe extrêmement vite, c'est à dire que j'ai été surprise tout à l'heure, ça, je voulais simplement voir bêtement en fait le fonctionnement du bouton, donc j'ai à peine allumé. Et puis au bout de 30 secondes, j'ai vu les voyants clignoter et tout ça. Enfin bon, je me suis dit, ah c'est bon, j'arrête. C'était déjà chaud. Donc attention, ne vous dites pas, c'est bon, je viens de l'allumer, je vais le prendre à pleine main. C'est pas une bonne idée du tout. Hein. Donc vous faites vraiment attention. Il chauffe très bien. Alors je vais me faire une tête glamour au possible puisque il est livré avec ses ravissantes pinces. Qui vont me faire une tête de rien mais qui sont quand même rudement pratiques. Donc pour lisser les cheveux, j'ai le miroir là et je vous regarde là. Donc je suis pas sûre que ce soit le plus pratique forcément, mais je ne sais pas comment faire autrement. Je vais peut-être tenter autre chose. Donc on va prendre une mèche comme ça. Et on va faire comme on m'a dit, c'est-à-dire lisser la mèche plus lentement qu'une brosse à cheveux. Ah mais oui. Oula. Je vous raconte même pas comment mon mari va râler. Il déteste quand j'ai les cheveux lisses. Il va détester. Parce que là c'est vraiment lisse en fait. Ah ouais, c'est quand même assez épatant. Attendez, je vais libérer une autre mèche en fait. Et oui, ça marche. Attends, je vais essayer avec un groupe de mèches en fait. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que je suis pas patiente. Et voilà aussi pourquoi me lisser les cheveux, ça me gonfle. C'est-à-dire que passer trois plombs à faire ça, vraiment non, c'est pas possible quoi. Et en fait, là ça va super vite. Je reconnais, ça va très 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 vite. Donc, je continue hein. Ouais, parce que j'ai quand même pas être à moitié. Mais là ça fait un peu bizarre hein. Vous trouvez pas que ça fait bizarre le côté lisse et le côté pas lisse? Donc je vais peut-être faire la chevelure en entier. Mais oui, je vais essayer aussi, donc je disais, avec des mèches nettement plus grosses pour voir si ça marche quand même.
Parce que quand même, plus on fait des mèches grosses et plus ça va vite. Donc on va faire ça comme ça. Hein, celle-là, elle est quand même nettement plus grosse. On va voir si ça marche quand même. Non, je dis ça, c'est pour les filles pas patientes comme moi, encore une fois, parce que je me doute que... Ah, c'est chaud que vous devez... Ouais. Ah bah oui, ça marche quand même, hein. Ça marche quand même. Bon, bah alors écoutez, donc je vais continuer comme ça. Je vais faire ça vite fait parce qu'en même temps, voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai passé trois plombes, ça me gonfle, mais en fait, ça va vite. Vous voyez, là, j'ai déjà fait quasiment la moitié de mes cheveux, donc c'est super. Regardez, oh côté lisse, oh côté bouclé, oh côté lisse, oh côté bouclé. Hein, ça fait bizarre là, comme ça. Lisse, bouclé. on va ranger les choses, hein, on va harmoniser. Donc je sais que certains plus doués que moi vont arriver à se boucler les cheveux avec un fer comme celui-là, à défriser. Pour ma part, je suis vraiment une quiche, j'y arrive pas du tout. Je sais pas comment on fait, je comprends pas. Et en plus, de toute façon, à vrai dire, vu mes cheveux d'origine, vous aurez compris que c'est pas forcément les boucles que je recherche. Par contre, là, je trouve ça vachement sympa parce que du coup, c'est vrai qu'il y a des tas de coiffures que je peux pas faire d'ordinaire. C'est vrai que les cheveux bouclés, ça marche pas trop. Mais vous voyez, genre, mettre des trucs avec des barrettes, dégager comme ça, faire une queue de cheval un peu haute qui retombe lisse et tout. Et là, du coup, bah, ça devient possible. Même pour moi, vous voyez, qui est quand même de main gauche avec ça, d'ordinaire. Moi, je suis assez épatée, en fait. Attendez, je me rapproche de moi-même. Parce que, franchement, je suis étonnée. Je vous dis, d'habitude, je n'arrive pas du tout à ce résultat-là. Et surtout, surtout pas comme ça. Donc si moi j'y arrive, franchement, mais tout le monde y arrivera, quoi. Enfin, ça c'est plus que certain, et avec une rapidité, mais c'est déconcertant, quoi. Je vous assure, j'ai fait ça, mais je vous remontre, hein, comment j'ai fait. Bon là il est éteint, c'est pas grave, j'ai fait comme ça au bout d'un moment, je vous jure, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça, et après j'ai pris ma brosse et j'ai fait ça. Et voilà. Et en fait, dans la dernière portion de cheveux là, la dernière là, que je n'avais plus la patience de faire, ça a marché quand même. C'est assez hallucinant, il est incroyable ce fer, franchement j'aurais jamais cru que c'était possible un truc comme ça. Bah écoutez, donc c'était ma découverte capillaire. Je ne vais plus avoir besoin forcément d'appeler mon coiffeur si je veux réaliser ce genre de coiffure. C'est assez fou pour moi. Écoutez, donc je vous rappelle, donc je vais vous le montrer. Donc c'est le single pack, non pardon, le single pass luxe de T3 ou T3, encore une fois, je pense que vous pouvez le dire d'une manière ou d'une autre. Et donc vous le recevez dans un coffret où il est emballé avec donc ces deux pinces qui vont vous faciliter la vie. Sauf si vous faites comme moi, que vous craquez, que vous faites toute la chevelure n'importe comment d'un coup, rassurez-vous, ça marche quand même. Donc comme ça, si vous voulez faire les choses vraiment vraiment bien, vous avez aussi donc ces pinces qui viendront en plus vous aider. C'est vraiment des pinces qualité pro, hein. Je ne dis pas comme ça pince, ça agrippe vraiment bien le cheveu, c'est articulé en plus, je ne sais pas si vous le voyez. C'est vraiment des super pinces à cheveux pour s'adapter à toutes les positions. Donc je suis vraiment bluffée par cet appareil. Incroyable. Donc eux ils disent donc c'est un fer à lisser et styling, donc à coiffer. Professionnel. Donc il fait 25 mm de large, effectivement, donc 2,5 cm, ce qui le rend très maniable. Encore une fois, je vous dis, comme quand vous êtes une brutasse comme moi qui faites les choses n'importe comment, qu'il fasse 2 mm, oui, ça peut-être quand même faciliter les choses quand même pour moi, pour attraper les choses, parce que je suis quand même pas très douée, donc ça m'a sûrement facilité la vie. Mais bon, encore une fois, j'ai fait ça à l'arrache et ça a marché, donc il est extraordinaire ce fer, je vous le conseille, mais alors à 200%, hein, vous pouvez y aller. Si moi j'y suis arrivée, encore une fois, vous y arriverez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette démonstration vous aura convaincu et aussi surpris que moi, si vous me connaissez. Et donc je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.